Bonjour à tous et nous sommes vendredi et comme chaque vendredi, nous sommes en direct et pour 20 minutes. Alors, aujourd'hui, on a un gros programme puisque il va falloir tirer au sort la personne qui a gagné le concours. Donc, bienvenue à tous ceux qui arrivent. Comme je disais, on est en direct à midi. Aujourd'hui, gros programme, on va tirer au sort la personne qui a gagné le concours. Donc, le concours qui a été lancé le 14 juillet, en surprise, c'était pas prévu. Enfin, de votre côté, c'était pas prévu. Du mien, ça fait un mois ou deux que c'était prévu. Et donc, dans ce concours, il y avait à gagner donc une tasse Genepsy, similaire à celle-ci, que je vais envoyer au gagnant. Il y avait un cerveau en 3D, comme celui-ci. Donc la personne qui aura gagné pourra choisir la couleur, donc la taille. Là, je pense que j'ai à peu près trouvé la taille qui va bien, pas trop gros. Et puis vous voyez, il tient bien dans la main. Donc ça permet quand même, pour la déco, c'est pas mal. Et puis pour la psychoéducation, ça permet de bien visualiser les différentes zones, pas trop petit et pas forcément trop gros. Donc la couleur peut être choisie. Et puis, il y a les deux bouquins écrits par le docteur Gérald Bussy, qui est neuropsychologue clinicien, docteur en neuropsychologie. C'est le papa de la version française de la Vineland 2, ou VABS, selon comment vous l'appelez. Il a aussi donc écrit ses bouquins Sans idées pour stimuler la mémoire de travail, Sans idées pour accompagner le vieillissement des personnes avec déficience intellectuelle, et ces deux bouquins sont édités chez les éditions Tom Pouce. Récemment, il a sorti aux mêmes éditions un bouquin sur le X fragile, donc que j'ai très très hâte de recevoir pour vous faire une fiche de lecture aussi, parce que je trouve qu'il y a très très peu de bouquins sur les syndromes génétiques, même les plus connus au niveau psychologie, neuropsychologie. Je trouve ça bien dommage. Il y a un bouquin que j'ai trouvé, mais qui n'est pas du tout. Pour les, enfin pas du tout, qui n'est pas spécifique aux psychologues, hein, c'est pas comme les traités, etc. Je vais vous le montrer. Je compte évidemment aussi faire une fiche de lecture, mais vu la pile de livres que je vous ai montré avant le confinement, vous vous doutez que ça va prendre un peu de temps. Mais celui-là, qui s'appelle Génétique, pratique pédiatrique du symptôme au syndrome, deuxième édition par le docteur Bouana et le docteur Gérard, aux éditions Medcom. Donc c'est vraiment un bouquin médical, hein. J'adore parce qu'il est tout doux, c'est des pages, comment on dit, qui sont, bon, elles sont un peu épaisses et elles brillent. Donc en fait, ça va, on va reprendre en fait toutes les dysmorphies au niveau de toutes les parties du corps, et il est illustré. Donc vous avez tout un tas de photos qui sont des photos de dysmorphie sur des véritables personnes, souvent des enfants. Donc ça permet d'avoir une vision un petit peu plus précise tout en restant globale sur les dysmorphies. Et puis il y a certains chapitres que nous, psychologues, qui vont nous intéresser un petit peu plus, notamment les dysmorphies en lien avec les syndromes génétiques qu'on a plus l'habitude de croiser. Bon, alors ça dépend du lieu d'exercice, hein. Par exemple, moi j'en croise que très très rarement. Mais par exemple, vous avez une partie sur le X fragile par syndrome en fait. Donc ça c'est bien pratique, la table de matière est faite par syndrome. Vous avez évidemment les différentes trisomies, vous avez le Williams-Burren, vous avez aussi le Prader-Willi. Voilà, tout un tas de syndromes. Angelman, l'intoxication fœtale à l'alcool, je vais dire alimentaire. L'intoxication aussi fœtale à la dépakine. Donc ça c'est vraiment très intéressant. Et il y a environ, donc syndromes génétiques les plus fréquents, il y en a 61 qui sont répertoriés dans ce bouquin. Et le reste du bouquin, la première partie, donc ça c'était la deuxième partie du bouquin, le reste en fait c'est les dysmorphies par zone, donc le crâne, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. Donc voilà. Par contre, personne un petit peu sensible, soit s'abstenir, soit demander à quelqu'un de mettre des post-it sur les photos parce qu'il y a des trucs qui sont vraiment pas super agréables à regarder, mais c'est en fonction de chacun. Donc ce bouquin-là, je vous en parlerai parce que malheureusement, comme je disais, Gérald Bussy a sorti son bouquin sur le X fragile. C'est une très bonne chose puisque je trouve qu'il n'y a pas assez de littérature sous forme de bouquin en français sur le syndrome génétique. D'ailleurs, là, je vois qu'il y a des gens en ligne. Si vous connaissez des bouquins en français sur les syndromes génétiques, je serais très très intéressée d'avoir vos avis, donc vos références.
de bouquins que j'aille voir et votre avis dessus là. Si en commentaire vous avez idée de l'existence de ce type de bouquin, j'aimerais vraiment vraiment avoir vos avis. Donc des bouquins qui traitent de la génétique, peut-être plus précisément des syndromes génétiques, et si c'est appliqué à la psychologie, alors là c'est encore mieux, mais j'avoue que j'ai cherché de nombreuses heures pour finalement ne trouver et acheter que celui-là. Voilà, que j'ai parcouru, mais que voilà, je compte faire une fiche de lecture dessus, évidemment sur les choses qui nous intéressent le plus et qu'on est amené à croiser éventuellement. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on va faire le tirage au sort. Donc, il y a la tasse, le cerveau et les deux bouquins de Gérald Bussy. Et on va voir si ça serait bien de faire un concours pour la sortie de son bouquin sur le X fragile. Je vais voir avec lui, mais j'espère vraiment que ce sera possible de mettre en jeu aussi ce bouquin de chez Tom Pouce sur le X fragile. Ok. Alors, tac, je regarde sur mon ordi ici. Vous m'avez mis des commentaires, etc. pour pas vous rater. Là. Et voilà. Donc pour tous ceux qui arrivent, l'idée aujourd'hui, c'est sur la fin de ces 20 minutes, on fera le tirage au sort. Et puis là, moi, j'aimerais bien vous parler, parce que j'ai fait une supervision hier d'une personne qui est en libéral et qui voulait développer son activité libérale. Et finalement, on a parlé une bonne heure, c'était hyper intéressant. Donc j'ai eu deux supervisions comme ça cette semaine, spécifiques pour, avec cette question-là, de comment développer son activité en libéral pour une personne qui veut s'installer et une autre personne qui est déjà installée depuis des dizaines d'années, qui a beaucoup d'expérience et qui voulait redynamiser son activité libérale. Donc c'était deux supervisions ultra, ultra intéressantes et c'était pas vraiment finalement une supervision en psychologie sur une question de patient, une question de différentiel, comme on peut avoir l'habitude de traiter en supervision. C'était plutôt, alors je mets des guillemets, enfin, certains savent que j'aime pas trop ce mot, mais plutôt un genre de coaching en finalement communication, management de sa propre activité libérale. Et pour ça, moi, c'est ce que je fais au quotidien, c'est que j'essaye de développer mon activité libérale. C'est pas un secret, je pense même que ça se voit très fortement. Et pour ça, je le fais pas toute seule en fait. C'est une des choses qui est très importante, c'est que ce qu'on appelle la communication, le développement d'activité, voire même le marketing, tout ça, ce sont des métiers à part entière. Donc, c'est pas moi qui le fais parce que je n'ai aucune formation en développement, communication, marketing. Et donc, je suis accompagnée par des personnes qui m'aident à faire cela, qui me conseillent, qui me donnent des recommandations, qui me disent qu'est-ce qui serait le mieux à faire, même si c'est moi au final qui décide de le faire ou pas. Hein, mais en général, je les suis. Hein. Comme je disais juste avant, chacun son métier. Et donc, ces personnes qui m'aident au quotidien sur le développement de mon activité, eh bien, elles sont spécialisées sur ces questions-là pour développer son activité. Et ça fait maintenant 2 ans qu'on travaille ensemble, donc elles sont bien bien habituées aux activités de psychologue, puisque moi je suis psychologue, on travaille depuis 2 ans ensemble, on a vraiment une expérience commune, des interactions communes avec nos compétences, donc moi en psycho, eux en communication, on travaille ensemble, donc ils comprennent vraiment beaucoup mieux maintenant depuis 2 ans comment fonctionne un cabinet libéral en psychologie, peut-être plus spécifiquement à ma façon de fonctionner, mais je pense que globalement, je fonctionne de manière relativement standard, où je reçois des patients, des consultations, je fais des bilans, je pourrais faire des thérapies, tout ça, ils en ont bien conscience. Et du coup, ils connaissent bien ce fonctionnement d'activité libérale de psychologue. Et j'ai recommandé aux deux filles qui ont été en supervision avec moi, donc à ce sujet-là, comment développer ou redynamiser son activité libérale, je leur ai recommandé d'appeler mon collaborateur, donc qui s'appelle Ethan, et qui va leur proposer un rendez-vous téléphonique. Et ce rendez-vous téléphonique, qui est complètement gratuit, hein, évidemment, c'est comme un genre d'audit. Et dans cet audit, Ethan va leur poser un certain nombre de questions sur finalement, entre autres, hein, je vais pas tout vous révéler, les objectifs qu'elles ont, le pourquoi redynamiser, pourquoi développer une activité libérale, pourquoi se mettre en libéral. Il va travailler vraiment ces axes-là avec elles, mais à un niveau professionnel, d'accord? Mais aussi à un niveau personnel, parce que tout est lié. Je veux dire, si on veut se mettre en libéral, alors je vais prendre mon exemple, parce que je ne vais pas parler pour les autres, mais c'était parce que je ne supportais pas être salariée, d'accord? Donc il y avait vraiment cette envie
de liberté ou d'être à mon compte. Donc ça fait partie des motivations qu'il y a à se mettre en libéral. Et donc ce travail sur les motivations à se mettre en libéral, sur le pourquoi, eh ben, ça va permettre à Ethan de encore mieux les orienter, les guider, voire les coacher pour développer, redynamiser leur activité. Et c'est extrêmement intéressant de bosser, alors en l'occurrence avec Ethan, parce que il est calme. Du coup, moi, ça fait un gros décalage. Il est super calme, il est à l'écoute et il est patient. C'est-à-dire que quand on est en libéral ou qu'on veut se mettre en libéral, quand on veut développer son activité, on a des résistances. Est-ce que je suis légitime? Alors, ça dépend des personnes, hein. Est-ce que je suis légitime? Est-ce que c'est correct de faire payer les gens tel ou tel tarif? Pourquoi moi? Est-ce que je peux vraiment faire des bilans? Est-ce que j'en suis capable? Il y a tout un tas de résistances auxquelles on va devoir être confronté. Et ces résistances-là, bah, on les partage avec Ethan parce qu'il va vous accompagner. En tout cas, il m'accompagne pour essayer de comprendre ces résistances et finalement de les lever, ce qui va permettre de rentrer dans une activité libérale ou de la redynamiser de manière vraiment alignée avec soi, en cohérence avec soi-même, avec l'idée qu'on a, avec les objectifs que l'on poursuit. Et c'est pour ça que moi j'adore travailler avec Ethan parce qu'il est à l'écoute, il va jamais vous bousculer, vous dire non mais là tu dis des conneries ou non mais t'es à côté de la plaque, non jamais, il n'y a pas de ça. Il est très très doux dans la façon de faire. Mais tout en étant doux, il reste hyper efficace. Et ça, je trouve que c'est très difficile à faire, à savoir faire, d'être très doux, très enrobant en fait, rassurant, mais tout en gardant un ton et un phrasé qui permet à la personne qui est en face, eh ben, de passer à l'action tout de même. D'accord? On n'est pas dans le bah oui, c'est bien, c'est gentil ce que tu fais, etc. Au contraire, même s'il est doux, ça va permettre quand même à la personne de passer à l'action et d'avancer très efficacement et finalement assez rapidement. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai orienté les deux personnes que j'avais en supervision auprès d'Ethan qui va leur faire un rendez-vous d'audit. Et ça, pourquoi je vous en parle? Parce que je sais, en voyant les messages sur les forums de psychologues, sur les différents groupes de psychologues sur Facebook, qu'il y en a pas mal qui veulent se lancer en libéral, qui veulent ou alors redynamiser leur activité. Et ben moi, j'ai cette solution à proposer. Ça ne conviendra pas à tout le monde, ça c'est clair, mais ça pourra convenir à certaines d'entre vous. Et dans ce cas-là, moi, tous les bons tuyaux, je suis prête à vous les partager si on m'en fait la demande. Il y a un dernier point que je voulais aborder au sujet de Ethan, et puis après on passera au concours, c'est le fait qu'il est aussi spécialiste de la création de sites internet. Et il y a aussi pas mal de psychologues qui voudraient faire un site internet, le refaire en plus joli. Par exemple, ou le refonder, ou le refaire autrement, ou alors tout simplement le créer en partant de rien. Et Ethan, dans l'accompagnement qu'il propose, il fait aussi cette création de site internet, tout en cohérence avec la personnalité du psychologue, sa façon d'être, etc. On n'est pas sur des sites internet où juste en fait il change le nom et il change le prix des prestations, par exemple. Non, pas du tout. Le site internet, ça doit vraiment être le reflet de vous-même, et justement, ça va attirer. Si on peut s'exprimer ainsi, les personnes, pas attirées au niveau financier, c'est pas ça que je veux dire, c'est attirées au niveau état d'esprit, les personnes bah, qui se reconnaissent en fait, qui vont avoir plaisir à voir la façon dont vous pratiquez. Donc, le site internet, techniquement, c'est facile, mais sur la forme, sur qu'est-ce qu'on va mettre en avant, etc., ce qu'on va mettre en avant, bah, c'est vous en tant que psychologue. Effectivement, il y a peut-être des dizaines et des dizaines de psychologues qui font des bilans spécifiques sur les troubles des apprentissages, donc ça change pas, c'est pareil. Il y a les prix qui vont globalement, on va dire, être à peu près pareil, on va pas revenir là-dessus, mais après, le gros truc qui va changer, c'est la personnalité du psychologue. Et finalement, ça, il faut être vraiment très au clair avec. Alors, je vais juste arrêter un appel que je vais en prendre. Voilà, normalement, ça a coupé, mais je suis revenue. Et donc, je disais juste, je sais pas aussi vous vous êtes arrêté dans ma phrase, mais ce qui va changer entre plusieurs psychologues qui pratiquent par exemple le bilan enfant, c'est la personnalité du psychologue. Et les gens vont pas aller parce que vous avez fait le master de je sais pas où ou de je sais pas quoi. Allez, il y a peut-être une personne sur 10 qui va aller fouiller ce que vous avez fait, mais ils vont y aller pour vous, en gros, pour votre tronche, pour votre façon d'être, pour ce que vous renvoyez aux gens sur les photos, sur les vidéos éventuellement si vous en faites, et sur la présentation, sur la description que vous voulez bien donner de vous.
Voilà. Je m'arrête là au sujet des tannes, mais si, et de la dynamisation, du développement et de la redynamisation de son activité libérale, et sur la refonte ou la création d'un site web, et j'arrête aussi de vous parler de mon collaborateur Ethan, mais si vous voulez plus d'infos, vous n'hésitez pas à m'envoyer vos coordonnées, d'accord? Et on en reparle. Et là, maintenant, on va passer au concours. Donc, moi, ce que j'aimerais voir, c'est qui est-ce qu'il y a, qui est en train de regarder. Parce que j'aimerais que l'un d'entre vous, on va faire comme ça plutôt, ce sera plus simple. Là, parmi ceux qui regardent en direct, le premier qui me sort un chiffre entre 0, alors pas 0, hein, à partir de 1 et 100, puisqu'il y a eu 100 partages du post du concours. Donc le premier que je vois là sur mon écran me donner un chiffre. Ce chiffre, ce sera celui que je vais chercher dans ma liste des gens qui ont participé, qui ont partagé. Donc attention, il faudrait que le participant ait bien respecté les règles qui étaient de partager le post en mode public et de taguer minimum 3 personnes. Donc, hop, je regarde mon écran. Tac. Est-ce que il y a une personne parmi vous qui me donne un chiffre entre 1 et 100? Ce qui me permettra de compter un par un le chiffre et la personne sur qui je vais tomber sera la personne qui aura gagné le concours. Alors, attendez, si je fais comme ça, non, continuez la diffusion. J'aimerais bien voir vos commentaires, je ne les vois pas. Pourquoi je ne les vois pas? Alors, tac, alors je vais aller sur Internet au niveau de mon ordi. Ça sera plus simple pour moi. Comme ça me permettra de tirer au sort le gagnant du concours et de vous l'annoncer tout de suite. Évidemment, comme d'habitude, le gagnant fait un mail à Pascal du secrétariat, secrétariat@genepsy.com pour se manifester. On prendra l'adresse et tout ce qui va bien pour envoyer le colis. Hop, alors. Ah, je vois que vous êtes plusieurs à avoir envoyé des, des commentaires. Et... Comment je vais faire? Eh ben allez, je vais prendre le premier que je vois. Lisa, t'as dit le numéro 78. Allez, je vais aller chercher le numéro 78. Du coup, je vais commencer par la fin. Ça ira plus vite. Parce que sur 100 participants, je vais pas vous faire patienter le temps que je compte tout. Alors, attention. Hop. On est parti ici. Allez. Non, sans commentaire. Afficher tous les commentaires. Oups. Tous les commentaires. Et puis, je vais compter. Donc, 78, je vais commencer par le bas, par le centième. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait 90. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80, 1, 2. Eh bien, c'est un garçon. C'est un garçon qui s'appelle... Alors, je vais dire juste son prénom, parce que son nom de famille, vous m'oubliez pour le prononcer, qui s'appelle Hugo. Hugo. Alors, je vais lire des choses qui sont publiques sur son profil Facebook, hein, évidemment, je ne vais rien dévoiler. Mais Hugo, qui est belge, qui étudie à l'université de Liège et qui a une photo de profil super sympa. On voit qu'il a plein d'amis. Donc, Hugo, si tu regardes cette vidéo en replay ou peut-être en direct, eh ben, je t'invite à te manifester auprès de Pascal du secrétariat, secrétariat@genepsy.com. Pour nous donner ton adresse et tout ce qui va bien pour qu'on t'envoie ce que tu as gagné. Donc, un cerveau en plastique dont tu pourras choisir la couleur, une tasse Genepsy et évidemment les deux bouquins de Gérald Bussy sur la mémoire de travail et l'autre sur le vieillissement. Je ne vous les montre pas les bouquins parce qu'en fait, je ne les ai juste pas. C'est Gérald qui les a puisque les auteurs reçoivent les exemplaires de leurs livres et c'est Gérald qui a les bouquins. Donc, Gérald va me les envoyer bah, maintenant incessamment sous peu pour que je te renvoie tout en Belgique. Eh bien, j'espère que vous avez passé 20 minutes agréables avec moi. Et puis, bah, je vous retrouve vendredi prochain pour un live. Mais je vous retrouve aussi lundi, parce que comme vous le savez, tous les lundis, je sors une fiche de lecture. N'hésitez pas à mettre des commentaires. La fiche de lecture, elle sort sur YouTube
et aussi sur Facebook. Mettez des commentaires si vous voulez que je parle de choses un peu plus spécifiques, différemment, etc. Là, on est en fiche de lecture sur le bouquin de James Morrison, L'entretien clinique. Je fais une fiche de lecture par chapitre et il y a 21 chapitres. Donc, vous voyez, on est parti pour 21 vidéos juste sur ce bouquin-là. Je pense que c'est le minimum pour ce bouquin qui est vraiment excellent et qui mérite d'être connu par cœur par tous les psychologues. Après, je passerai à un autre bouquin et je pense que je vous ferai voter sur le prochain bouquin, sachant que si vous avez vu mes derniers posts, j'ai aussi reçu le traité de neuropsycho de l'enfant et je pense qu'il y en a plus d'un qui ont hâte de savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. Probablement que vous ne l'avez pas tous acheté, notamment, bah, après c'est Dubbock supérieur, hein, je ne critique pas le prix, mais il y a un prix qui est assez... qui peut être perçu comme conséquent. Je crois qu'il coûte... je vais pas vous dire une connerie, mais voilà, c'est pas 30 euros, quoi. Donc je pense qu'il y en a plein qui sont intéressés par celui-là. Donc c'est peut-être le prochain que je vais mettre en fiche de lecture. Dites-le moi en commentaire, mais je pense que je ferai un vote pour savoir ce qui vous intéresse le plus, pour toujours cette idée-là de être au plus proche de ce qui vous arrangerait. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne fin de semaine, un très beau week-end. À très vite, à très bientôt. Ciao !